La priorité essentielle, à mon avis, c'est donner une forte impulsion à la diplomatie pour la paix. Nous assistons aujourd'hui dans le monde à une multiplication de conflits. Le plus grave, c'est certainement la Syrie, mais il y a aussi l'Irak, l'Afghanistan, des différents conflits africains. Beaucoup d'entre eux sont interliés, sont liés avec une détérioration dramatique de la sécurité globale à cause du terrorisme, de cette nouvelle forme globale de terrorisme à laquelle nous assistons. Alors, il faut vraiment faire que tous les pays qui ont une influence sur les différentes situations de conflit qui existent puissent se mettre ensemble en comprenant que tout ce qui les divise est très peu comparé avec le besoin, l'intérêt commun de mettre fin à ces guerres qui sont devenues un cauchemar pour l'humanité.